Bonsoir tout le monde, nous comptons avec vous. Semaine ça, sous télévision nationale d'Haïti, une fois encore, toute équipe là mobilisée pour nous tourner sous terrain. Et avec vous, nous allons regarder qui Jean travaille, caravane, changement, avancé. Nous avons fait la Tibonite, nous avons fait le nord-ouest, nous avons fait le nord-est, nous avons fait le nord, nous avons fait le sud, Asroya, et grand pile travail, très certainement, nous allons fournir, regarder, pour nous capables d'avoir une idée de qui Jean est, à qui niveau, n'est-ce pas, où avancer, et qui Jean population zone, comprennent ce qu'a fait Jean. D'ailleurs, c'est intéressant pour nous entendre les gens dans la zone côté travail avec exécuter pour parler avec nous, pour dire qui Jean travaille ça, est-ce que Mike mérite corriger, Mike mérite rectifier. Nous avons parlé de tout ça à soi, dans le cas de l'émission, ça, mettre un petit chasse baou, grand pile, vireron, équipe Télacha, pour le faire avec vous ce maintenant, dans le cas de l'émission. Et puis au final, on va faire une idée de l'importance du travail ça pour la communauté, on va faire une idée de qui nécessité pour que le travail ça ait été fait bien avant, mais c'est qu'on y a fait, et ouais, dans quel niveau, n'est-ce pas, ça capable de porter une différence dans la vie moun côté travail ça a réalisé. On va démarrer avec l'équipe qui était dans le sud semaine ça. Louis-Nel, Jean-Louis Bral dit exactement qui côté le visiter, côté la Léo, qui ça le voit comme travail et qui qualité image. Je vais vous le partager avec PIA à Soya. Louis-Nel, Jean-Louis, bonsoir, comment ça est? Merci, Serge Niolendo, Napsalieu, un bien Jean Wanocelan. Nous présents dans la métropole du Sud, côté que nous avons visité divers travaux qui ont fait, alors travail d'infrastructure qui ont fait dans le département ça à travers plusieurs communes. Donc pour nous fournir, j'ai regardé comment le travail a avancé. Faut que nous disions, Serge Niolendo, nous avons eu la chance de visiter le travail qui a fait sur le tronçon route qui est lié à Cafou Méridien avec Dibrela, un bien travail a avancé. Faut que nous disions tout, nous avons eu la chance de visiter la commune Ilavache. Et bien, nous allons regarder comment travail cap fait yo dans quel niveau que yo y est. Tronçon route qui relie Kafou Madame Bena avec Pis Aviation a continué. Terrassement est déjà fini et que travail a avancé à grand pas. Alors d'après dialogue que nous avons gagné avec ingénieur, et bien qui ban garantie avant décembre si pas de contrainte travail ta supposé prend fin. Et faut que nous disions tout dans entrevue que nous avons gagné avec membre de la population. Donc c'est la joie, le contentement par rapport avec la situation que nous avons vécu pour circuler dans la route avant, donc surtout les gains la pluie. Nous avons eu la chance tout à faire un coup de jet, regarder le travail de construction pont qu'a fait sur la rivière Lacule. Et mes travaux ont déjà démarré, pont à construire, donc qui pourra permettre aux gens qui sont dans la commune, alors Chantal, capable de circuler libre et libre, même les gains la pluie. Voilà, c'est génial, c'est comme ça travaille, c'est dans le niveau ça travaille, avancé en dans la commune. Louis-Nel Jean-Louis et Claude Dali Jean-Jacques, tu es sous place pour permettre nous vivre, pour permettre nous garder et connaître dans quel niveau travaille, donc travail l'État central a fait à travers caravane changement, donc pour porter service de base à la population qui est dans la section communale, qui est dans la commune. Nous invitons à regarder avec nous qui ça image aujourd'hui. Nous allons regarder avec vous l'image, bien entendu, Louis-Nel. Et le premier côté, nous allons visiter, c'est le pont qui a jeté sous la rivière Acule. Et la moune qui est habitué à un problème pour traverser la zone Sahara, eh bien, il a doué un jour qui a venu là. Là, on souffre, puisque grand pile d'efforts qui a fait pour permettre le pont ça li tourner en réalité. Équipe nous, le roi d'Ali Jean-Jacques avec Louis-Nel, Jean-Louis, pour permettre de nous garder dans quel niveau travailler et qui gens et nécessité, ça a été exigé pour un travail comme ça. Réalisé. On a joué. Téléspectateurs de Télévision Nationale d'Haïti, nous toujours dans la commune de Tobek, dans le souci pour nous informer de tout travail d'infrastructure qui a fait dans la commune. Nous avons un pont qui relie, alors qui passait sous rivière, qui relie la commune Tobek et Chantal. Donc, construction pour ça qui est déjà démarré. Nous invitons à suivre avec nous comment travailler avancer. Jovenel Moïse,
très satisfait à ça parce que nous très contenté parce que nous pensons pour la zone. Parce que pour penser qu'elle mettait dans la zone exactement qu'elle fait pour nous. Normalement, je suis très satisfait. Pour quelle raison? Parce que longtemps ça que nous avons souffert pour pont. Et pour ça, je dis à la fête, c'est grâce à député Chalito et président en première position. Vous comprenez? Mais et de même pour Chantal. Son bon signe pour le département, son bon signe pour Timoun Barantonio, son bon signe pour l'élite Riviera, son bon signe pour la République là, son bon signe pour le département sud là. Pour qui ça me dit ça? Je dis à nous besoin des grands hommes. Des grands hommes qui pour concilier la nation à elle-même. Hier, c'était qui est-ce qu'on t'a regardé devant? Combien qui était sous colonial là. Je dis, après 1804, gardez Jodia, gardez-nous, gardez Tobek là, gardez Péa. Nous besoin de la conciliation totale des Haïtiens pour sauvegarder l'intérêt Péa. Je dis, Hervé Charles, en tant que député de la première, deuxième circonscription Tobek Chantal, un visionnaire, un entrepreneur visionnaire qui a rêvé le pays. Nous avons besoin de grands hommes. Jodia, son fierté pour moi, son fierté pour moi dans le sud, surtout mon Tobek Chantal, pour travailler ça qu'a fait là. Après 214 ans, et je n'ai pas besoin d'où, qu'on comprenne ce que ça veut dire. Et surtout, nous avons une plus grosse bataille que nous-mêmes qui fait capable de nous sentir fier et mon sud, mon dans ce qu'on dit, c'est parce que tout le monde qui passait était une seule promesse campagne. C'était route Kafoumé de Dubreuil pour curer le Tobek Chantal. Je dis à moi que faut commencer à chercher l'autre discours de campagne. Rivé Charles Hervé comme député, Jovenel Moïse comme président, en bien, pour mettre ça, nous finissons avec elle. Et je dis nous finissons avec elle pour de bon. Parce que je dis à tout le monde qu'on est clair, sans route, pas de développement. Je crois que Rivé pour ça, ça va permettre que petit chat à suspendre mourir. Parce que chaque rivière en couille, chaque lègue est là, puis toujours il y a au moins 2 à 3 personnes qui mourent. Je crois que. Nous sommes gardés, nous fait 15 jours là, la bi dans le débattement. Ça vient de faire que ça a paralysé la commune, l'activité n'a pas marché. Mais ça, il y a eu une force dans les derniers jours après de la piscine passée. Parce que il est clair que octobre qui a venu, année qui a venu, il n'y a pas de victime de situation encore. Parce que il y a eu un pont pour traverser qui vous permettre que l'activité soit capable de continuer à marcher, capable de fonctionner. Parce que nous sommes fait 15 jours là, maman petit c'est ma revente. Et je crois que je dis à forme de nous, je n'ai pas un mot pour que je dise à Excellence, merci pour le monde que lié. Nous avons fait 22 mois de campagne, nous perdu un an dans madame pour continuer la bataille, pour construire une équipe politique, pour avenir politiquement, et nous prouver que c'est équipe je dis. Et je seulement dit merci, je demande bon Dieu, continuer à protéger, animer le même sentiment ça, pour rester à travailler, pour continuer à faire le monde Chantal, le monde dans le département sud, vous êtes tête frette. Nous avons bien pour un, nous avons un pas trop long, parce que ça peut être fait, vous faites déjà, et pas seul pour un, nous avons l'autre bagaille encore qui travaille. Voilà, c'est Génio Lindo, c'est dans le niveau ça, travail, construction, pont, lacune, avancé. Lionel Jean-Louis était sur place pour informer vous de travail, infrastructure qui a fait en la commune. Nous pas camper dans route, nous avancé, nous avons toujours été dans le sud du pays et là nous pourrons regarder le travail qui a fait sous tronçon Kafou méridien Dubreuil. Et bien ça fait quelques temps depuis que le travail a été lancé sous tronçon ça. Nous avons connaît qui s'est fait depuis qu'il a été lancé à ce maintenant, qui niveau de travail est, et puis regarder avec la zone qui vient comprendre l'initiative pour passer main sur ça, pour faciliter la circulation bien entendu. Nous pourrons voir tout ça en image avec collaborateur nous, Louis Nel Jean-Louis. Et puis l'Aurore Darly Jean-Jacques. Nous, dans la commune Tobek, nous venons garder un niveau avancement, travail reconstruction, tronçon route ça qui est relié Kafou Méridien avec Dibreilan, cap continuer. Eh bien, nous constatons que travail asphaltage est déjà en main, il y a près de 6 km de route qui est déjà asphaltée et travail a continué.
Techniciens sont mobilisés, équipements sont sur place, on a regardé ensemble. Parce que moi-même, c'est moi qui suis natif natal, c'est le premier bon travail moi qui fait dans la zone, que tout le monde dans la zone a félicité le travail. Là. Le gouvernement, tout le président, moi félicité en plus, mais moi, depuis au Québec FM, et puis capable de jouer le mandat pour ces choses-là de avancer. Le travail là, c'est un très bon travail, tout le monde dans la zone a aimé le travail, là, est content de travail. Là. Et c'est un travail qui était soif depuis longtemps. Moi, je dis au président merci en pile, parce que tout l'autre président qui était passé, quand même, il était en connaissance de ça, ça n'a pas jamais arrivé fait, et que sous présidence LIA, ça arrivait, nous dit merci pour ça. Oh, pour me sentir bon là, c'est sur la quête, parce que ça veut dire, nous avons fait noir, et comme si je me sentais une lumière qui a éclairé pour nous. J'ai tellement la volonté de vous dire un transport pour dire bon Dieu merci. Où ça nous est là aujourd'hui là? Depuis un petit monde de 59 ans. C'est sous Roche n'a pas marché la net, mais aujourd'hui à son fierté pour nous mouver BO. Et il y a plusieurs projets qui sont en cours. Donc nous avons Passerelle Guillou, nous avons Marché Chantal, nous avons Place d'Âme de Torbec, nous avons Passerelle sur la cule de Chantal. Tout ça, là, toute nous, population, nous content. Oh, ma bonne dimension, un grand merci. Avec tous les députés, nous, qui accompagnent, nous demandons toujours accompagner les députés dans tout ça, la paix, pour le développement de nous. Ça va dire en fait. Gagne qui est le double mandat, triple mandat, ça va dire en fait. Je vous dis assis, début de Charlie Toffel, faut un courage pour nous dire merci. Président, ma prière pour vous, vu que moi, politique, là, vous dérangez nous, c'est une pour nous, pour nous avancer avec la caille, nous, c'est pas tripotaille, c'est pas une abdichée l'autre, ça va nous aucun côté. C'est un ensemble pour nous tous haïtiens, mettez. Ni ça, l'autre, ni ça, bon ici. Travail, ça fait ça que je remercie l'empile parce que. Même président, t'es venu ici, c'est grâce à Charlie Toffel, t'es toujours député, qui t'es toujours. Mettez marché pressé encore. Journée aujourd'hui à vieille route là. Il y a des roches là-dedans. Il y a des gens qui gros ventre, qui prennent la couche au caille. Ces courses là, c'est qu'on touille, c'est qu'on fait des vies. Mais journée aujourd'hui à grâce à député, président, journée aujourd'hui à là, il y a une belle route. Et c'est qu'on a commencé à faire une route parce que la route est arrivée. Il est arrivé Béo, mais 16, Chantal a commencé et pont à pète. Sous nos PHTK. Journée aujourd'hui à là, j'ai ton souhaité que je remercie, je remercie. La prière, ni pour député, ni pour président, merci en pile. Après 22 mois de campagne que nous faisons, après nous faisons un an, qui c'est la première année de mandat, la bataille, pour être capable de construire le pouvoir, permettre que l'arrivée côté l'arrivée, et que ces enfants prouvent que nous sommes. Garçon qui est garçon dans la console, Jean Mounio dit là, qui est garçon dans la console. Et je dis à vous-même que nous sommes qui comprennent, ça veut dire développement. Vous connaissez le développement, c'est le président avec le magistrat qui fait. Moi-même qui est à côté, comme député de la circonscription, nous avons fait ça comme promesse de campagne. Ça fait partie de doléances que la population a été ben moins. Mais je dis à c'est eux-mêmes qui ont gardé ce qu'ils ont exécuté. Travaillons en pile. Mais une priorité que nous-mêmes nous avons dans cette conception, c'est route Kafoumé de Dubois là, pont qui relie Torbec Chantal là. Nous avons BO passant par l'OMO pour entrer Chantal, c'est Vobéfis qui a préparé, sorti Chantal pour descendre Sainte-Véronique. Mais Vobéfis a préparé, mais c'est caravane qui a pris le soir de soleil. Nous avons pile tronçon route dans la section communale que nous-mêmes nous avons amélioré, nous avons commencé et nous avons continué à faire ça. Mais la bataille n'est pas facile. We'll be right back.
Saint-Génieux Lindo, c'est dans niveau ça, travail qui tronçon route, alors reconstruction tronçon route qui relie Cafou Méridien d'Ibrella, c'est dans niveau ça, l'a continué. Lionel Jean-Louis était sur place depuis commune Tobek pour faire toute population hein, ouais et connaît travail qu'a fait dans cadre infrastructure gouvernement a mis en place à travers diverses zones en dans pays. Là, nous sommes Tobek, toujours dans le sud du pays, Cafou Méridien d'Ibrey. Nous sommes à quel niveau le travail va avancer, nous avons des réactions. Eh bien, nous sommes dans la zone et nous avons des réactions. Député Tobek, là, avec Charles, il faut que nous soulignions ce semaine ça. Nous avons commémoré l'anniversaire de la mort de Boiron Tonnerre. Nous sommes Tobek, qui n'a pas oublié. Gros motorique, garçon ça.